Je m'appelle Soraya, j'ai 21 ans, j'habite à La Courneuve. Je suis à la fac de Bobigny, je viens d'avoir ma licence en éducation et motricité. Je souhaite devenir professeur d'éducation physique et sportive. Dans la vie, j'aime bien le sport, j'aime bien sortir avec ma sœur jumelle. Vas-y, vite. En tant que surveillante de baignade à La Courneuve-Plage, mon rôle principal, c'est de veiller à la sécurité des usagers. La voilà! Oui, l'année dernière, j'ai travaillé en tant qu'agent polyvalent. Donc, cette année, j'ai passé le BNSSA, le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, donc avec la ville de La Courneuve, car c'est un diplôme que j'avais vraiment envie de passer depuis plusieurs années. Allez les enfants, on sort ! C'est fini ! Allez, on revient demain ! C'est fini ! Donc dans l'équipe, au niveau du secteur nautique, il y a deux responsables de bassin, donc des MNS. Ensuite, on est trois BNSSA. Il y a 6 surveillants de baignade et 8 agents polyvalents dédiés spécialement à l'espace nautique. Une fois que j'aurai vécu La Courneuve-Plage, j'aurai moins d'appréhension à postuler dans une piscine, donc par exemple à Saint-Denis. Je savais qu'ils recherchaient, mais j'avais un peu peur, car c'était ma première expérience. Et j'ai hâte, car l'année dernière, après le mois, j'étais vraiment triste de quitter La Courneuve-Plage et j'avais hâte d'y retravailler.